Salut à tous, je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage d'Halloween. Il s'agit là des doigts fendus. C'est parti. Donc je commence par mettre du latex entre mes doigts. Je fais ça entre chaque doigt. Une fois que j'ai fini de poser mon latex, je viens poser des petits morceaux de mouchoir entre chaque doigt encore une fois. Je fais ça entre tous mes doigts et ensuite je remets du latex par-dessus, donc sur tous mes petits morceaux de mouchoir. J'en mets également derrière pour que ça tienne bien. Et ensuite je vais répéter l'opération, c'est-à-dire que je remets des petits morceaux de mouchoir entre chaque doigt et je vais recouvrir une nouvelle fois le tout de latex. Je prends ensuite un petit cure-dent et je viens craquer mes mouchoirs de cette façon pour obtenir un effet fendu. Je fais ça entre chaque doigt. Je laisse légèrement sécher et une fois que ça a séché, on vient recouvrir tout ce qui est blanc avec un fond de teint. Maintenant, je prends un fard violet que je viens appliquer entre mes plaies en estompant avec mes doigts. Je continue avec un crayon noir que je viens mettre au niveau des extrémités intérieures de mes plaies en estompant légèrement avec un coton-tige. Après ça, je viens remplir le tout avec mon faux sang. J'en mets également sur les extrémités des mouchoirs et ensuite tout autour des plaies. Et j'estompe avec mon doigt. Je peaufine, je cache au maximum le mouchoir avec le faux sang. Et une fois que c'est fait, je vais mettre du faux sang en couche un peu plus épaisse. J'en mets également à l'intérieur de mes mains. Et donc voici le résultat une fois que c'est terminé. Donc j'espère que ce petit maquillage vous plaît, que cette vidéo vous a plu également, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye.